Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser un petit haut à paillettes en taille 38-40. Pour ce petit haut, j'ai acheté 70 cm de tissu et 1,80 m de biais. Comme modèle, on va servir de ce petit haut qu'on va plier au milieu et on va épingler afin qu'il ne bouge. On plie notre tissu . On épingle notre modèle e on va découper la partie arrière du petit haut. On va laisser un bon centimètre pour les coutures. Et 3 cm en bas pour l'ourlet. Maintenant, on va découper la partie avant du petit haut. On rentre la partie arrière du petit haut pour pouvoir bien découper l'encolure du devant. Et on y va. On laisse toujours un bon centimètre pour les coutures. Et 3 cm pour l'ourlet du bas. On va placer nos deux tissus ensemble, endroit contre endroit, et on va commencer par épingler les épaules. On va passer une couture. Sur une des épaules, on va arrêter la couture à 2 cm de l'encolure.
On va passer une couture au point zigzag sur les épaules. On va faire un repère à 20 cm à partir de l'épaule pour les émanchures. Et on va poser notre biais à partir de ce repère. Pour l'encolure, on va démarrer de la petite ouverture qu'on a laissée sur l'épaule. Et on va passer une couture Maintenant, on va fermer la petite ouverture sur l'épaule. On va nouer pour que la couture soit plus solide. On positionne notre petit haut
endroit contre endroit. Et on va épingler les côtés. On va faire un repère à 19 cm sur les émanchures et on va partir des deux côtés à 19 cm. On va passer une couture de chaque côté. On découpe l'excès de tissu des coutures et on passe une couture au point zigzag. Maintenant, on va faire l'ourlet du bas. On passe une couture au point zigzag. Et on fait l'ourlet à 1 cm. On épingle tout autour. On passe une couture. Voilà, notre petit haut à paillettes est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt.